C'est une zone d'activité qui ne doit pas ressembler à une zone d'activité. Aujourd'hui, Écosphère est véritablement une zone d'activité du futur. Écosphère Innovation, c'est une zone d'activité économique qui permet d'allier à la fois l'implantation de nouvelles activités économiques sur le territoire en tenant compte des contraintes environnementales. On a fait des zones pour cheminer et puis on a réfléchi aussi à quel cadre pourraient trouver les entreprises qui viennent s'installer, quels atouts pour elles. C'est-à-dire qu'on vient y travailler et donc y vivre 8 heures par jour. Et le cadre dans lequel on travaille doit être agréable et en tout cas qualitatif. On doit pouvoir y venir également à pied et en vélo. C'est pour ça qu'on a un système de mode doux à l'intérieur du parc. Écosphère s'adresse à des entreprises principalement de production, employeuses de main-d'œuvre, à des chefs d'entreprise éthiques et qui trouveront sur place des collectivités à leur écoute, un territoire intelligent, sensible, avec des écoles, des commerces, de quoi faire du loisir. Et enfin, c'est une adaptabilité pour les entreprises qui peuvent être petites ou grandes et qui doivent trouver toutes au même niveau leurs possibilités de développement. On est au cœur du département de l'Ain, à une encablure de la Plastique Vallée, à une encablure du parc industriel de la Plaine de l'Ain, à une encablure des universités lyonnaises, de l'aéroport, avec des accès faciles, deux sorties d'autoroute à moins de 10 km, un TGV qui arrive à 25 km. Écosphère est particulière parce qu'elle était l'objet de beaucoup de contraintes et ces contraintes se sont transformées finalement en démonstrateur de ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence collective. Par exemple, l'éclairage public est autonome. C'est probablement la première zone d'activité économique du département, avec une harmonisation des clôtures, une harmonisation des couleurs, une harmonisation de l'aspect des bâtiments, de telle sorte à avoir quelque chose d'homogène. Nous avons recréé des espaces qui permettent de retrouver une forme de biodiversité qui n'existait plus sur le secteur, puisqu'on était sur des terrains en monoculture. Et aujourd'hui, on retrouve des espaces fleuris, avec la présence d'insectes, de papillons, de libellules. On a conservé la trame verte, la trame écologique, on a conservé de l'habitat pour un oiseau particulier, on a fait un hiberticulum pour les serpents, on a protégé les oiseaux, on a protégé les arbres, on a protégé les haies. Aujourd'hui, on va même aller plus loin pour créer un parcours ludique qui est destiné à la fois aux habitants, aux écoles, aux scolaires, au grand public de découvrir notamment des abris à reptiles, qu'on appelle un hibernaculum, une aire d'une espèce d'oiseau protégé, le dictem criard, et également une mare sèche où pourront être observés un certain nombre d'insectes, d'amphibiens et autres espèces.